Je vais vous montrer un séchoir à linge en détail que j'ai reçu par Amazon. Mais vraiment, quand je dis détail, c'est le détail, hein. C'est vraiment plein de pièces, voilà, comme si vous montez un meuble, voilà. Et en plus, il y a des vis. Bon, donc on va m'aider quand même à le monter. J'ai demandé à des amis, hommes, tant que faire. Et regardez ce que c'est. Regardez ça. Vous voyez? Bon, heureusement que j'ai la notice. Bon, c'est vrai qu'en le faisant, en plus, c'est écrit en anglais. Bon, ça, l'anglais, j'arrive à me démerder. En plus, sans vouloir, en cherchant la feuille, la notice tout au fond, j'ai un peu déchiré. Bon, voilà. Donc, on va remettre un peu de scotch. Mais bon, c'est vrai, quand j'ai livré, m'a livré le colis, je ne pensais pas l'avoir en petits morceaux. Quand j'ai vu la taille du colis, j'ai dit, oh là, oh là là, j'ai ça marqué à moi. Donc voilà, non, non, mais il va pas être petit, hein. Parce que ça me rappelle mon matelas, un matelas que j'avais commandé, c'est un matelas d'enfant. Et non, bon voilà. En quoi? Bah, pourquoi je me dirais que je ne l'ai pas acheté au supermarché ou hypermarché ou à Jiffy ou n'importe, parce que ça coûte moins cher. Mais bon, on en fait les frais. Parce que c'est vrai que le séchoir est à la hauteur et en plus je peux accrocher les cintres. Voilà. Et c'est du métal, donc j'ai racheté ça ailleurs, hors sur ce site. Je paierai plus cher, c'est pour ça. Donc, livre Amazon, mais pour certaines choses, c'est un peu chiant, mais bon. Besoin d'un bricolage. Bah oui, pour l'anti-inflation. Donc, on se démerde, système D. Allez, à bientôt!